Article additionnel après l'article 6, Monsieur Bernalicis, pour l'amendement numéro 14. C'est vrai, c'est vrai. Oui, alors on propose par cet amendement, dans la matière du droit de la famille, de renverser la présomption d'innocence en ce qui concerne les cas d'insolvabilité, ce qui permettrait d'éviter le non-paiement de pension alimentaire dû à des insolvabilités organisées. Ça a été évoqué tout à l'heure dans les débats, le fait que certains organisent leur insolvabilité, notamment devant la CAF, et donc c'est pour inverser la charge de la preuve, de sorte à ce que ce soit plus protecteur vis-à-vis des parties qui pourraient être lésées en la matière. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Un avis défavorable. Tout d'abord, hein, puisqu'il y a certaines... On est dans une modification du code pénal avec une proposition donc de renversement de la présomption avec une formulation qui n'est pas habituelle en matière pénale puisque ne constitue en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur. C'est je pense, contraire au principe du droit pénal. Ensuite, vous évoquez la consécration d'une jurisprudence de la Cour de cassation. Mais en fait, vous allez un peu plus loin parce qu'il ne s'agit pas uniquement de la sanction civile, mais vraiment d'exposer le contrevenant à 2 ans d'emprisonnement pour abandon de famille, donc d'en faire une sanction pénale. Donc on va plus loin que la jurisprudence de la Cour de cassation. Donc un avis défavorable sur cet amendement. Ouais. Je vous remercie, Madame la Ministre. Madame la Présidente, Monsieur le député, cet amendement reprend, en les modernisant, des précisions qui figuraient dans l'ancien article 357-2 de l'ancien Code pénal, au terme duquel, je cite, « l'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie ne sera en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur ». Ces dispositions n'ont évidemment pas été conservées. Oui, l'insolvabilité était liée à ces motifs-là. C'était le côté ancien code, et non pas ancien mode, monsieur le député, ancien monde. Donc, ces dispositions n'ont pas été conservées parce qu'elles étaient évidemment juridiquement inutiles. Et pour être déclaré coupable de l'infraction d'abandon de famille, il suffit que le débiteur ait volontairement omis de payer une pension alimentaire durant plus de 2 mois. Son éventuelle insolvabilité n'est juridiquement pas exonératoire de sa responsabilité pénale ni de son obligation civile de verser les sommes dues. Et il appartient au débiteur qui est appauvri ou devenu insolvable de saisir le JAF afin de demander une suppression ou une diminution pour le futur de la pension alimentaire. Et la Cour de cassation, dans un arrêt de 2014, a validé la condamnation d'une personne qui avait cessé de payer une pension au motif de son impécuniosité, indiquant notamment que la réduction ou la suppression des pensions alimentaires, fût-ce avec effet rétroactif, ne pouvait avoir pour effet de faire disparaître l'infraction déjà consommée, c'est-à-dire le non-paiement des pensions. Par conséquent, il me semble que l'amendement que vous proposez est d'une certaine manière déjà satisfait par la jurisprudence de la Cour de cassation que je viens de citer, et elle pourrait également laisser penser qu'hors des cas d'inconduite, le débiteur pourrait valablement alléguer de son insolvabilité pour échapper à la répression, ce qui serait exactement contraire aux objectifs que nous recherchons. Donc je demande, monsieur le député, le retrait de l'amendement. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Gosselin. Oui, je crois que nos collègues ont raison de pointer cette question de l'insolvabilité organisée volontairement. C'est un vrai sujet. L'amendement me paraît mal rédigé, si je puis me permettre, et sans vouloir donner de leçons, parce que je crois que le cas que vous visez ne vise pas en réalité l'inconduite ou le manque de diligence. Vous laissez entendre dans l'amendement une forme de passivité. On a laissé filer un peu les choses. Or, ce que vous visez, me semble-t-il plus expressément, c'est une conduite volontaire qui organise l'insolvabilité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et il me semble, Madame la garde des Sceaux, que dans ce cadre-là, l'arrêt de la Cour de cassation ne couvre pas tout à fait les faits. Peut-être faut-il le réécrire, peut-être faudrait-il envisager les choses, mais il y a une vraie question. On a tous en tête, en tant que maire ou bénévole associatif avec nos autres casquettes, ou parfois quand les gens viennent nous voir aussi dans nos permanences, on a tous en tête l'organisation par un conjoint, souvent, je le dis, à regret pour la gente masculine, mais souvent un homme qui a organisé de façon volontaire son insolvabilité. Et ce n'est pas parce qu'il a manqué de diligence,
au contraire, il n'en a pas manqué. En gros, c'était « il n'est pas question que mon ex ait le moindre fric ». Je l'ai entendu dans mon bureau. Je l'ai sorti d'ailleurs gentiment. Voilà, donc je crois que la rédaction ne couvre pas tout à fait les situations. Et je crois qu'il y a vraiment un point d'interrogation sur lequel collectivement et sans parti pris, on peut s'interroger. Bonne rédaction, hein, mais peut-être que pour la séance, il faut travailler ça. Je vous remercie. Monsieur Bernalicis. Oui, alors on s'est inspiré d'une formulation qui était une recommandation de la délégation aux droits des femmes. Mais pour essayer de comprendre la logique, c'est justement de dire, d'obliger celui qui dit bah non, mais j'ai pas de sous parce que justement j'ai laissé filer, à devoir prouver que c'est pour ça qu'il est insolvable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a une négation, donc c'est pour obliger à prouver de l'insolvabilité et pas à considérer qu'elle soit de bonne foi. Donc ça inverse la charge de la preuve. Alors après, j'ai envie de dire, si c'est qu'une bataille légistique, revoyons-nous d'ici la séance, on trouvera bien la bonne formulation. Je vous remercie, Monsieur Bernalicis. Madame la ministre, vous souhaitiez répondre ? Mais non, je crois avoir répondu aussi bien à la question il me semble que j'ai répondu, c'est-à-dire que la déclaration, pour être coupable d'abandon de famille, il suffit de ne pas avoir payé pendant 2 mois sa pension. Oui, mais encore, alors, mais l'amendement, il ne parle pas de ça. L'amendement. Oui, c'est ça. Ce que vous dites, c'est qu'il faut déjà avoir été condamné à payer. Or, on a un certain nombre de personnes qui organisent avant l'attribution, la répartition, etc., qui organisent leur insolvabilité. Et c'est ce point. Alors, l'amendement, je crois, n'est pas bien ficelé, si je puis me permettre, mais je vois très, très bien la question que veulent souligner les collègues. Alors. J'apprécierais qu'on respecte un petit peu l'ordre du débat, parce qu'autrement, ça va devenir vraiment un capharnaüm incroyable. Donc, monsieur Jean Terlier. Le micro. Ce que vous décrivez en réalité, c'est un délit. Et donc ça, le délit, c'est le juge qui viendra caractériser ce délit d'organisation, du fait que le débiteur ait organisé son insolvabilité. Mais il faut laisser en amont, c'est puni par la loi. Donc on ne peut pas faire la charge de la preuve avant d'avoir caractérisé l'infraction. Et cette caractérisation de l'infraction, elle se fait nécessairement par un juge. Merci, monsieur Gosselin. Madame la rapporteure. Excusez-moi, madame la présidente, mais il n'y a aucune volonté de court-circuiter la présidence, évidemment, c'est la passion des débats qui nous entraîne. Mais parce que au-delà, le sujet est important. On a effectivement des centaines et des centaines, et sans doute des milliers, je n'ai pas de statistiques, évidemment, de personnes qui organisent, mais réellement, leur insolvabilité. On le voit ici avec le droit de la famille ou les pensions alimentaires. On le voit aussi d'ailleurs par ailleurs dans le cadre, même si c'est plus rare, mais ça existe aussi, de liquidation d'entreprises, et les tribunaux de commerce sont aussi malheureusement à gérer ce genre de choses. Et donc j'essaie d'être un peu l'interprète de cette question qui traverse la société, d'une forme de malhonnêteté qui se fait au détriment des familles, et souvent au détriment effectivement de la conjointe qui a la garde des enfants et qui s'en occupe au quotidien. Et je trouve que c'est une question très pratique, en fait, très pragmatique, et qui mérite une vraie réponse. Mais encore une fois, juridiquement, c'est peut-être déjà couvert, et auquel cas, je m'incline évidemment. Je vous remercie. Raphaël Gauvin. Non, mais juste une précision. Je crois qu'effectivement, c'est couvert. Quand vous reprenez, donc, c'est l'article 314.7 du Code pénal, donc qui définit l'infraction d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité. Le cas que vous avez soulevé, c'est-à-dire la personne qui est en procédure ou va divorcer et qui frauduleusement organise son insolvabilité pour ne pas payer la pension alimentaire, c'est couvert par l'infraction. Le texte dit très bien, le fait par un débiteur, même avant la décision judiciaire,
constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité, etc. Donc c'est déjà, c'est couvert par l'infraction. Donc je peux mettre l'amendement 14 aux voix, qui a reçu donc un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. L'amendement numéro 20.